Bienvenue dans un monde magique. Bienvenue au paradis de la gastronomie scolaire. Bienvenue au self du Sacré-Cœur. Un écrin de saveurs où petits et grands se côtoient. Un cocon où la différence est une valeur ajoutée. Je suis une élève et je m'appelle Fleur. Je suis très heureuse au Sacré-Cœur. Je profite pleinement de mon bonheur. Je bosse, je lis, j'apprends par cœur. Jamais puni par le directeur. Je suis toujours à l'heure, à l'ouvrage, je mets du cœur. Je suis une élève et je m'appelle Fleur. Ça va, c'est bon. Mais une ombre vient ternir cet idyllique tableau. Et malheureusement, c'est quotidien. Et du tableau enchanté, nous passons aux plateaux encombrés. Encombrés de victuailles, dont le destin est la poubelle au lieu de l'estomac. Bienvenue au monde du gâchis alimentaire. Du gaspillage alimentaire, le lycée Sacré-Cœur fait près de 1000 couverts chaque jour qui sont servis. Je pense que c'est la responsabilité de chacun que de se servir en fonction de sa faim et de ne. Il vaut mieux qu'un élève se serve moins sur un élève ou un adulte se serve moins sur un premier service, quitte à aller solliciter le personnel pour se servir à nouveau. On ne laissera jamais quelqu'un sur la faim, néanmoins on tolère et on accepte de moins en moins que des assiettes pleines circulent de la ligne sur le plateau et finissent directement à la plonge. On ne peut pas aujourd'hui penser qu'il y a des gens dans le monde entier qui attendraient et donneraient tout pour avoir ce qu'on a chaque midi sur la ligne du self. Et que nous, on se permette de ne même pas goûter, voire même de prendre pour jeter. Il y a déjà une conscience qui est prise par beaucoup, beaucoup d'adultes et beaucoup d'élèves, et on les en remercie, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin.